Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des romans feuilletons. Je vous avais parlé il y a quelques semaines des romans de gare. Et le roman feuilleton a quand même un certain nombre de points communs avec, et ce qui change surtout c'est son mode de publication. Le roman feuilleton était publié par chapitre, d'où le terme de feuilleton, c'était un roman feuilletonnant, et dans les journaux. Ça s'est développé au cours du 19e siècle et ça a connu un énorme succès populaire, et dans le même temps du coup ça a assuré le succès des journaux dans lesquels c'était publié, puisque les gens achetaient le journal pour lire les chapitres du roman feuilleton. Ils vont ainsi contribuer au développement de la lecture populaire à la fin du 19e siècle, puisque avant la lecture c'était quelque chose qui était réservé à l'élite, déjà parce que l'alphabétisation était peu répandue, et donc ça se répand progressivement au cours du 19e siècle avec les différentes lois sur l'éducation, donc les lois Ferry, mais il y en a eu d'autres avant, par exemple les lois Falloux. Mais l'accès à la lecture est également limité par le prix des romans. Vers 1850, un roman coûtait en moyenne dans les 15 francs, ce qui pour l'époque était assez cher, puisque le salaire mensuel d'un ouvrier était entre 40 et 45 francs, donc c'était plus d'un tiers de son salaire pour un roman. Pour vous donner une comparaison aujourd'hui, c'est comme si, donc si on prend le SMIC à 1100 euros, un roman coûtait 400 balles. Si les livres coûtaient tous 400 euros, je pense qu'on ne serait pas très nombreux à en acheter. Alors que dans le même temps, la publication dans la presse vers 1836, lorsqu'il y a eu les premiers journaux qui ont publié des romans feuilletons, donc c'était notamment La Presse d'Émile de Girardin, mais également Le Siècle d'Armand Dutac, qui étaient des journaux qui coûtaient 40 francs en fait, à l'année, pour un abonnement à l'année. C'est cher en effet, comme je vous l'ai dit, 15 ans plus tard c'est l'équivalent d'un mois de salaire, mais il faut voir que lorsqu'ils sont lancés, le prix moyen de la presse était deux fois plus élevé. Et ces journaux vont diminuer leur prix par l'usage de la publicité, ce qui est une révolution dans le paysage de la presse en France. Donc ça quand même permet un premier développement de la presse. Et ces journaux vont être les premiers à utiliser les romans feuilletons. Et donc un roman feuilleton pouvait s'étaler à peu près sur deux mois, c'est-à-dire que dans une année, si on prend en compte qu'il n'y avait qu'un seul roman feuilleton à la fois, alors qu'en réalité souvent il y en avait plusieurs, vous pouviez avoir 6 romans pour 40 francs, en plus d'avoir le journal. Ce qui faisait baisser le prix du roman à 7 francs, donc deux fois moins cher qu'avant. Donc oui, certes, les plus pauvres, au début, c'était ça, c'est trop cher pour eux, mais ça a permis d'élargir la population, le public qui pouvait y avoir accès. Donc, de son côté, la presse publia La Comtesse de Salisbury, donc de juillet à septembre 1836, et Le Siècle, de son côté, a publié La Vieille Fille d'Honoré de Balzac. Cette période d'essor correspond aussi à une période où l'alphabétisation commence à se développer, je l'ai dit, où la liberté de la presse se développe, sur la monarchie de Juillet, à un premier développement de la presse. Et la période d'apogée des romans feuilletons, c'est l'apogée de la presse écrite, les deux sont vraiment très liés. Et là aussi, il y a la liberté de la presse qui joue, puisque sous la Troisième République, surtout après la victoire des Républicains à la fin des années 1870, ben, il y a de nombreuses lois qui vont libéraliser la presse, donc dès 1881, et puis des lois sur l'instruction publique, comme je l'ai dit, avec les lois Ferry, les lois de la liberté syndicale, tout ça, c'est vraiment une période de libéralisation de la vie politique. Il n'y a pas un genre défini au roman feuilleton. Mais dans les faits, certains genres se retrouvent plus souvent. Tout ce qui est fantastique, science-fiction, comme pour les romans de gare, c'est quelque chose qui attire. Le policier aussi, les romans d'amour, les romans érotiques aussi. Là aussi, comme les romans de gare, c'est des styles qui attirent le grand public. Qui aussi des styles qui sont assez propices à mettre du suspense, surtout tout ce qui est policier. Ça, voilà, il y a des rebondissements, on a envie de savoir. Et voilà, c'est des romans où c'est un style, mais c'est un style où il y a beaucoup de péripéties tout le temps, chaque chapitre doit se passer des choses, et dans l'idéal, chaque chapitre doit se terminer par un cliffhanger. Comme pour aujourd'hui les séries, surtout les fins de saison, où t'as un cliffhanger pour que les gens aient envie de voir la suite. Faut que les gens reviennent. Et là, voilà, il faut que les gens, le jour d'après, ou la semaine d'après, ou le mois d'après, selon le rythme de publication du journal, il faut qu'ils aient l'envie de venir acheter le journal parce qu'ils veulent avoir la suite. Ce type de roman aussi cherche à créer un attachement au personnage pour que, là aussi, l'envie de connaître la suite soit très importante. Alors, au début, tous ces éléments n'étaient pas forcément présents. Au début, la forme n'est pas toujours la même. Surtout qu'au tout début, c'est d'abord des romans qui étaient déjà publiés, qui sont découpés en chapitres pour être publiés en feuilleton, donc ils n'ont pas été faits dans ce but-là. Et c'est progressivement, quand il y aura des romans qui vont commencer à être écrits dans le but de faire des romans feuilletons, qui seront donc découpés à l'écriture, et qu'on aura vu qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins, que cette forme, vraiment, de l'usage des péripéties, des cliffhangers, les différents styles qui marchent mieux, vont se développer et un peu s'uniformiser, parce qu'on sait ce qui marche mieux et qu'on va vers ça. Au début, c'était plutôt placé en bas des pages des journaux, ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, mais ensuite, les journaux vont progressivement leur attribuer des pages, soit une seule page, soit plusieurs. Par exemple, Gringoire, dans chacun de ses numéros, avait 3-4 pages dédiées à plusieurs romans feuilletons. Donc, comme je l'ai dit, on pouvait avoir plusieurs romans feuilletons en même temps dans le journal, plusieurs auteurs différents qui écrivaient en même temps. C'était vu comme de la sous-littérature, à la fois par les élites littéraires, les élites du monde, mais également les auteurs eux-mêmes, souvent considéraient ce qu'ils écrivaient comme de la sous-littérature. C'était juste un boulot alimentaire. Et là aussi, c'est un point commun avec les romans de gare. Et pourtant,
comme pour les romans de guerre, les auteurs qui ont écrit dedans sont aujourd'hui souvent considérés comme des classiques. Je vous ai déjà cité Alexandre Dumas père, Honoré de Balzac, il y a également Jules Verne, ou Charles Dickens aussi qui en a écrit. Donc vraiment des gens qui sont des classiques aujourd'hui, et qu'on n'aurait aucunement envie de classer comme de la sous-littérature. Les Trois Mousquetaires, par exemple, c'était un roman feuilleton. Les Trois Mousquetaires, à l'origine, c'était de la sous-littérature. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dirait. Après, bon, d'autres auteurs de romans feuilletons sont tombés dans l'oubli alors qu'ils n'ont connu le succès à l'époque. Donc, en fait, la majorité des romans feuilletons sont tombés dans l'oubli aujourd'hui. C'est certains qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques, donc c'est quand même, voilà, c'est à noter. Mais la majorité ne sont pas restés dans les mémoires. Par exemple, si je vous cite certains auteurs comme Octave Feuillet, Georges Honnay ou Paul Bourget, je pense que ces noms ne vous disent rien, et pourtant, ils ont connu d'énormes succès à l'époque. On peut également noter que le roman feuilleton est une rupture dans le style de, enfin, en tout cas, dans le monde de production des livres. Parce qu'avant, les livres étaient écrits soit par des auteurs qui étaient déjà riches, soit par des auteurs qui avaient des mécènes, et qui donc cherchaient à plaire à ces mécènes. Pas au grand public. Être lu par beaucoup de monde, c'est pas ça qui a rapporté de l'argent. Là, c'est vraiment le début du moment où l'auteur gagne de l'argent grâce aux ventes de ce qu'il écrit et peut vivre de sa plume en ayant le succès populaire. C'est un changement dans le monde de production des livres, le monde de rémunération des auteurs, et qu'on retrouve du coup ce qui est encore aujourd'hui le cas, puisqu'aujourd'hui, les auteurs qui vivent de leur plume, c'est souvent des auteurs qui ont des grandes ventes. Et ce qui représente au final quand même qu'une minorité des gens qui écrivent des livres. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais ça n'existait pas avant, et ça y est encore aujourd'hui. Ils étaient aussi vus comme de la sous-littérature pour d'autres raisons. Alors, parce que pour une partie de l'élite, l'accès à la lecture s'était considéré mais comme quelque chose de réservé à l'élite. C'était pas pour le peuple. Que le peuple ait accès à la lecture, c'était pas bien. Puis en plus, c'était vu comme des choses immorales. À la fois parce que ils sont vus déjà comme racoleurs, et aussi parce que certains sont pas très morales, hein, notamment tout ce qui est érotique, c'est pas très la morale. Puis il faut s'admettre, le style littéraire ou le scénario n'était pas toujours très développé, très bonne qualité. Et ça, c'était pour une raison très simple. Le mode de production. Surtout quand c'était écrit pour la presse quotidienne, il fallait que chaque jour, l'auteur ait écrit un chapitre. Alors dans ces conditions, forcément, il était obligé d'utiliser des méthodes simples pour le scénario. Il n'y avait pas le temps de se creuser la tête sur un scénario complet. Il n'avait pas le temps de se relire, de se corriger, de vérifier les incohérences et tout. Tout ça, forcément, il ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est ce qu'on retrouve encore un peu aujourd'hui pour les séries feuilletonnantes de type « Plus belle la vie » et « Assez beau soleil ». Moi, personnellement, c'est vrai que c'est pas du tout mon truc, mais ça rencontre un succès populaire. Mais le fait est que la production d'une série au jour le jour comme ça, c'est un rythme effréné et ça permet pas d'optimiser la qualité. À un moment donné, tu ne peux pas perfectionner ce que tu crées fait. Cependant, d'autres vont quand même voir ça d'un jour plus positif, notamment parce qu'ils voient que bien que ça contribue à donner goût à la lecture aux masses, que ça contribue à alphabétiser les masses, le peuple, et ça, pour certains, alors si autant certains voient ça d'un œil négatif, d'autres voient ça d'un œil positif. Il y aura, au niveau du gouvernement, des mesures qui seront prises, notamment, du coup, lorsqu'il y aura des gouvernements plutôt d'ordre moral, hein, donc les années 1870, mais aussi dans les années 1850 et sous le Second Empire, avec, du coup, en 1850, il y a une taxe qui est imposée aux journaux qui publient des romans feuilletons jugés comme trop immoraux. Mais dans les faits, cette taxe aura peu d'effet, parce que comme ils connaissent un grand succès, ces romans feuilletons, mais ils apportent assez d'argent pour compenser le prix de la taxe. Donc ça reste rentable de le publier malgré tout. Lorsqu'un nouveau roman feuilleton est sorti, il est très important que le premier numéro soit très lu. Parce qu'il faut qu'il donne envie aux gens de lire la suite, et que si les gens ne lisent pas le premier, ils ne vont pas lire la suite. C'est un peu comme aujourd'hui les séries, l'épisode pilote est très important à réussir parce qu'il faut que les gens le regardent et que les gens aient envie, après l'avoir regardé, de voir la suite. Donc lorsqu'il y avait un nouveau roman feuilleton qui sortait, il y avait une grosse publicité qui était faite. Il y avait des affiches qui étaient collées, des voitures circulant pour faire la réclame, ce genre de choses. On distribuait également des fascicules avec les premiers chapitres aux gens pour qu'ils aient envie de lire la suite et ensuite s'abonnent au journal. Donc il y avait toutes ces méthodes-là qui se faisaient, mais ils vont progressivement décliner. Ils vont décliner parce que déjà la presse écrite recule au cours du XXe siècle. Ils vont décliner aussi parce que le prix des livres diminue, donc les gens peuvent aussi acheter directement en livre. Ils vont décliner aussi parce qu'il y a de la concurrence qui arrive, parce qu'il y aura des feuilletons à la radio, il y aura les séries qui vont se développer, soit sur les formats classiques de séries, mais aussi les séries feuilletonnantes, le cinéma, tout ça. Plein d'autres médiums qui vont attirer le public et détourner une partie du public de ces romans feuilletons, qui vont donc quasiment disparaître. On retrouve aujourd'hui très peu de publications en journaux. Alors certains sites, on a encore des sites où on publie des histoires par chapitre, ça arrive encore. Et là aussi on retrouve certains styles en commun. On a par exemple Internet Actu qui a publié sur son site sur la forme de feuilleton une histoire d'un polar humoristique, Où est passé ma Yes Card de Paul Carbone. Mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup perdu en importance. Donc c'est
Alors, dans les parutions, comme ça, un peu par chapitre, j'ai oublié d'autres types de parutions que j'avais de dire là pendant le tournage, on vous rajoute ça un peu en voix off, qui existent aujourd'hui. Il y a les comics ou les mangas aux États-Unis et au Japon, où il y a des parutions par chapitre de différents, du coup, pour les mangas, bah, différents mangas, différents shonen, et différents types de mangas, et les comics où chaque magazine contient des chapitres différents d'histoire. Alors là-dessus, je ne sais pas à quel point ça peut se relier avec les romans feuilletons. Pour les mangas, je ne pense pas. Je pense que ça a sa propre histoire, mais que je ne connais pas. Mais ça pourrait être intéressant à l'occasion de parler de l'histoire des mangas. Je pense que c'est un sujet peut-être dont je vous parlerai un jour. Et les comics, pareil, ça peut être intéressant de voir du coup si ça a des origines, avec des liens avec des publications feuilletonnantes comme ça. Mais c'est vrai que par contre, en France, en termes de publications écrites comme ça, feuilletonnantes par chapitre, j'ai pas l'impression qu'on retrouve ça de manière répandue. En tout cas, en termes de production française. Terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!